Bonjour, Rodolphe Jiménez, créateur du concept Fire Design et gérant de la société Sécurité Incendie Européenne. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types d'extincteurs. Dans la sécurité incendie, les extincteurs ont un rôle prépondérant. Il en existe plusieurs types, en fonction des différents types de feux. Aujourd'hui, on peut être confronté à une multitude de feux qui sont complètement différents. Les feux de classe A, bois, papier, tissu. Les feux de classe B, tous les produits inflammables et les produits hydrocarbures, les feux de classe C, tout ce qui peut être feu de gaz, et les feux de classe D, tout ce qui est feu méthon. Les extincteurs agissent sur une des classes ou sur une multitude de classes de feu afin d'agir au mieux sur la capacité d'extinction. Chaque extincteur a une classe de feu préférentielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois agents principaux que l'on trouve chez les professionnels, voire parfois chez les particuliers. Premièrement, vous avez un extincteur à eau pulvérisée avec additif. Très simple, vous avez une lance à incendie qui vous permet, avec son diffuseur, d'agir sur un départ de feu. Chaque extincteur a toujours une sérigraphie blanche, mais il n'agit pas sur tous les types de feux. Il peut agir que simplement sur les feux de classe A et feux de classe B. L'eau adore le bois, le papier et tissu. Par contre, avec l'additif qui est à l'intérieur, il peut agir également sur les feux d'hydrocarbures, ce qui lui donne la capacité à agir sur les feux de classe A et B. Deuxième extincteur, les extincteurs à neige carbonique. Leur capacité d'extinction et leur efficacité est essentiellement sur les feux de classe B, hydrocarbures. Il peut également agir sur tous les départs de feu dits électriques. Sa capacité d'extinction n'est pas une action d'étouffement, mais par refroidissement. Le gaz qui est à l'intérieur, c'est un gaz neige carbonique, CO2. Le troisième type d'extincteur est un extincteur, plus communément appelé extincteur à poudre polyvalente. Il agit sur tous les types de départs de feu et sur tous les types de classes de feu. Feu de classe A, bois, papier, tissu. Feu de classe B, les feux d'hydrocarbures. Et feu de classe C, les feux de gaz. Il peut également agir sur des feux de classe D, métaux, si la poudre est appropriée. Son efficacité est redoutable. Par contre, on ne peut pas le trouver dans tous les emplacements recevant du public. L'extincteur à poudre est essentiellement positionné dans tout ce qui est lieu technique, industrie, atelier, car la poudre est d'une efficacité redoutable. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et qu'en cas de feu, vous saurez au mieux appréhender la manipulation de ces extincteurs.